9 mars. Ça, le 9 mars. Ça fait une semaine donc qu'on navigue. Valérie vient de se réveiller de la sieste. Hein. Comme il y a le moteur qui tourne à côté, ça la dérange pas, elle dort bien, il n'y a pas de problème. Donc on est le 9 mars et alors aujourd'hui c'est la pétole. Depuis midi on est au moteur. Et donc pour ceux qui se demandaient, donc la pétole, c'est ça, voilà, c'est tout lisse. Il y a de la grande houle, mais il n'y a même pas une ride du vent. Il n'y a rien, rien, rien. Donc et bah, depuis ce midi, on est au moteur et j'ai bien l'impression, d'après les prévisions, que c'est parti pour durer jusqu'à demain, au moins. On va se faire au moins 24 heures de moteur, voilà, c'est sympathique. Alors, bah, on s'occupe comme on peut, on cuisine, on lit, on regarde des films, on va aller rire et va dormir à côté du moteur. Voilà. Au moins c'est reposant, même si y a un peu de bruit quoi. Mais bon, on n'est pas trop inquiet, le vent doit revenir mardi. Normalement mardi on récupère du vent. Et on a assez de gasoil pour faire encore 3-4 jours de moteur. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas il fait beau. Là, ce matin on avait des nuages, ça s'est dégagé en début d'après-midi. La ligne de traîne, et ben, à part traîner et ramener des morceaux de méduse, elle sert à rien. Mais bon, j'ai pas perdu espoir de manger une petite dorade avant la fin. Voilà. Allez, salut.